Good morgen, Alei, den les sutras aujourd'hui le Nishmat, Richard Ben Fortune Mazal, Claudie Israël Ben Fortune Mazal et Olga Bat Solvanish. Si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Mishnah, contactez la 5 minutes éternelles. Nous étudions Maseret Anit Bergimel Mishnah Gimel. Vechen ir shelo yardu alea geshamim dichtiv vehim tarti alir achat, valir achat lo amtir, chelka achat timater, vechelka acher lo timater, je crois que c'est la suite du pasouk. Ota ir mit ana u matraat. L'échol, c'est vivoté à mit-anot, velo matriot. Rabbi Akiva Omer, matriot, velo mit-anot. Depuis le début du chapitre, on s'intéresse à savoir selon quel type de malheur qui frappe, qui menace, alors on va déployer tout l'arsenal des tfilotes. On va faire toutes les grandes tfilotes en se réunissant sur la place publique et en priant Hachem avec des jeunes. Et alors du coup, tout le chapitre, une grande partie du chapitre, on va parler de ça, on va s'intéresser. Est-ce que ça c'est considéré comme une épidémie? Est-ce que ça c'est considéré comme une maca qui menace? C'est entre parenthèses, c'est, regardez comment un regard de juif sur la situation, comment ça doit être. Il n'y a pas la Russie et l'Ukraine et ils se tapent dessus et nous, non. Il faut réfléchir selon, est-ce qu'il y a ici une menace? S'il y a une menace maintenant concrète, ça veut dire que dans le ciel, il y a ici des kochotadines qui se réveillent, qui veulent nous menacer, qui menacent, qui risquent de... Et selon ça, notre réaction, c'est pas d'envoyer des missiles, peut-être qu'il faudra le faire en deuxième partie, on n'en sait rien, mais d'abord, premièrement, c'est de se réunir, et c'est prier, et c'est faire des tzomot, et... D'accord? Ça, c'est pour la petite parenthèse. Maintenant, on reprend le cas de la Mishnah, maintenant avec un nouveau... Du coup, tout le chapitre, on va parler de ça. Est-ce que ça considéré comme quelque chose d'accidentel, ou est-ce que c'est quelque chose qui se répète, et qui est donc signe qu'il y a en ce moment... la rigueur qui veut frapper, Chas v'Shalom. Du coup, c'est le sujet du chapitre, en fait. Et là, notre Mishnah, elle va nous apprendre maintenant. Une ville dans laquelle il n'y a pas eu de pluie qui est tombée. Comme c'est écrit, dirtiv, comme le pasouk nous l'évoque, qui dit « Imtarti al irachat, val irachat lo amtir » et que Hachem, il dit expressément dans le pasouk là-bas, il promet que il fera tomber de la pluie sur une ville et sur l'autre, il ne fera pas tomber. Ou bien, dans une même ville, la partie nord, elle reçoit les pluies, la partie sud, elle reçoit les pluies. Alors là, dans ce cas-là, Ota Irmit Ana ou Matraat, cette même ville, elle va tout de suite se mettre à jeûner et à prier. C'est-à-dire, je finis la phrase, Vechol Svivotea et tous les alentours, Mit Anot Velo Matriot, ils vont jeûner mais sans faire peut-être de filote, tandis que Rabbi Akiva Omer va dire non, tu fais le contraire dans les autres villes. Matriot, on prie mais on va pas jeûner. On expliquera ça après. Pour le moment, je m'intéresse sur la première partie de la Mishnah. Pour le moment, on est spécifiquement sur les lois, sur les cas de pluie. On a vu que de manière générale, on a vu tout un rituel, comment faire? On va avancer selon le temps qui passe et que les pluies traînent à tomber. On commence à se réveiller un petit peu, à se réveiller un peu plus, à se réveiller vraiment très fortement avec les différentes séries de jeûnes. Les trois jeûnes des Talmid Chachamim, les trois jeûnes pour le public, mais qu'on commence depuis le matin, les trois jeûnes qui deviennent un peu plus rigoureux jusqu'à la fin, on fasse la série des sept jeûnes lundi, jeudi, lundi, jeudi, lundi, jeudi et lundi. Et là, avec toute la vigueur, les tfilotes solennelles. D'accord? C'est ce qu'on avait vu dans les Mishnahs précédentes. La Mishnah, dans les Prakim précédents, la Mishnah Aleph, elle nous a dit, tu sais, il y a des fois où, dès qu'il y a un vrai problème de pluie, tu pries depuis tout de suite. T'attends pas. C'est-à-dire, quand on est dans un cours naturel de temps qui peut un peu traîner, alors on commence à se réveiller doucement, doucement. Mais quand il y a une alarme qui veut qu'on tire depuis tout de suite, qu'il y a quelque chose de pas logique qui est en train de se passer, tout de suite, on déploie tout l'arsenal. Selon le même principe, la Mishnah, maintenant, elle va nous apprendre. Tu sais, si jamais tu vois que dans toutes les villes qui des alentours, la pluie, elle tombe. Et spécialement dans ta ville, elle ne tombe pas. Ou bien même, encore pire, dans la ville, ça tombe, mais spécialement dans ton quartier, ça ne tombe pas. C'est que dans ce quartier, il y a le courroux d'Hachem, il n'est pas du tout... il effraye. Il faut se réveiller. Il faut directement tirer toutes les alarmes. On va se mettre à jeûner et à prier avec tout le rituel des sept filotes et tout ça, des sept brachot supplémentaires de la Mida et tout ça. Depuis tout de suite, dans ce quartier ou dans cette ville où ça manque de pluie. Les alentours, ils doivent quand même prier eux aussi. Alors, eux aussi, ils ont une part à prendre. On explicitera dans la prochaine Mishnah quelque chose d'un peu différent. Pour le moment, c'est expliqué de manière très naturelle, très logique. Que les alentours aussi, ils vont souffrir. S'il y a une ville qui souffre et les autres villes qui ne souffrent pas,
qui reçoivent leur pluie. Concrètement, il va y avoir que les gens de la ville où il n'y a pas eu de pluie, il va y avoir la famine, ils vont partir voir des gens de l'autre ville. Ceux de l'autre ville, ils vont être obligés maintenant, les prix vont augmenter, tout va partir de travers. Donc, même les gens des alentours, ils vont être endommagés, ils doivent aussi faire quelque chose. Quoi faire? Là, c'est la marroquette qu'on découvre. Selon Tanakama, alors, il faut qu'ils participent, qu'ils fassent leur jeûne, mais c'est pas la peine de faire tout le rituel des tfilot. Selon Rabbi Akiva, c'est tout le contraire. Il faut spécialement faire les tfilot et ne pas jeûner. Le Tosafot Yom Tov y rapporte au nom du Ran qui rapporte le Yerushalmi. Un, il apprend de Yom Kippour, l'autre, il apprend de Rosh Hashanah, tout simplement. À Yom Kippour, qu'est-ce qu'on fait? Essentiellement, on jeûne. Il y avait au Beth Amidash, on apportait le Korban. À notre époque, on jeûne et on fait des tfilot, mais selon la Torah, il n'y a pas toutes ces tfilot qu'on fait toutes ces tfilot parce qu'on n'a plus de Korban. Kippour, c'est essentiellement jeûner. Et tandis que Rosh Hashanah, c'est essentiellement prier, puisqu'on a la mitzvah de prier devant Hachem avec le chauffard, Zichronot, Malchiot, Chauffarot, comme ce qu'on avait vu. Donc du coup, hein, il apprend de... tu fais comme à Yom Kippour, tu jeûnes, mais tu pries. C'est pas la peine de faire toutes les tuilotes particulières. L'autre, il dit, non, c'est comme Rosh Hashanah, tu fais toutes les tuilotes particulières, et tu vas pas jeûner. C'est leur participation. On verra dans la prochaine Mishnah, Bezrat Hashem, comme elle était, il y a une raison un peu plus différente et plus simple, en fait, pourquoi les autres villes des alentours doivent jeûner. Pour le moment, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.